Salut à tous, c'est MathLunch. Aujourd'hui, on se retrouve pour une grosse vidéo, le début d'une nouvelle série. Voilà, dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de série. C'est aujourd'hui que ça se commence. Je vais me faire passer pour un faux employé du McDonald's. Vous allez me dire comment tu vas faire, tout, etc. Je vais vous expliquer dans la vidéo. Cette série, les gars, si vous la kiffez, n'hésitez pas à bombarder la barre des likes. D'ailleurs, je lance quelque chose. Je lance le concours Roat aux 600K. C'est quoi, les gars? C'est que là, on doit atteindre les 600 000 le plus vite possible. C'est simple, il va y avoir une rencontre abonnée. Je vais faire une rencontre abonnée, on va organiser une rencontre abonnée aux 600 000. Quand j'ai 600 000, on organise la rencontre, on voit dans quelle ville on va. Mais voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vois que beaucoup de personnes ne sont pas abonnées. Ça prend 2 secondes, tu t'abonnes et que tu actives les notifications. C'est très simple. Là, il y a une grosse vidéo qui va arriver. N'hésitez pas à bombarder la barre des likes. On se retrouve dans le magasin pour voir un peu le matos qu'il me faut. A tout de suite. Bon, les gars, là, j'ai trouvé ce qu'il faut. Un petit balai là. Regardez-moi ça. Donc en fait, ce que je vais faire genre, je suis en train de nettoyer et d'un coup après, je vais aller en cuisine. Genre, pour essayer de me faire un sandwich, essayer de faire un truc comme ça. J'espère que je vais réussir. On a 3 essais, on a 3 McDo. Voilà, j'espère que ça va aller. On se retrouve directement au McDo pour le commencement du commencement. A tout de suite. Donc voilà, là je suis dans les toilettes du McDo. Je vais me changer en speed. Franchement, j'ai la pression. Abonnez-vous les gars, abonnez-vous parce que la vidéo là, elle est très très lourde. N'hésitez pas à bombarder la barre des likes aussi. Faut qu'on fasse connaître la série, pour qu'il y ait plus d'épisodes. Et surtout, me follow sur Instagram et dans la description. C'est parti, je vais me changer. On se retrouve après, à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve avec ma tenue de McDo. Je l'ai acheté sur internet, la taille est vraiment pas top, mais voilà, j'ai tout ce qu'il faut normalement. Je suis prêt à aller au boulot avec mon petit truc. J'espère que je vais pas me faire choper dès le début. Je vais essayer de rester le plus longtemps possible et vraiment le but, ça serait de servir un client. Ça serait vraiment beau. J'ai fait, voilà, à tout de suite. C'est bon. Bonjour. Vous êtes qui? Bonjour, j'ai été invité en stage aujourd'hui en fait, c'est mon premier jour. On m'a envoyé un mail et du coup je suis venu directement ici, à l'heure convenue. Pas au courant. Ah, je vous montre le mail. Je suis le directeur du restaurant. Ouais, j'ai reçu un mail du manager, moi. Un mail du manager. Vous êtes sûr que c'est ici? Ouais, sur McDonald's. C'était pour 17h15 d'ailleurs. C'est le manager McDonald's. C'est vrai qu'on a acheté un restaurant. Je pense que il y a un souci. Hein. Bah, j'ai reçu ça. Ah, c'est le gars qui est en train de filmer. Hein? Ouais, c'est ça. Ok. Bon, allez. On remballe. Bouge toi, bouge. Va là-bas. Non. Alors. Bonjour, c'était pour le grand chef. Ah, ok, ouais, j'étais là. Comment? Bah, je suis arrivé aujourd'hui, moi. Ah, oui, d'accord. C'est ma caisse. Ah, mais moi, je prends celle-là, du coup? Ouais. Ok, pas de soucis. Bah, t'es en stage? Ouais. Tu travailles en stage? Non, stage, ouais. SP83. Ok, d'accord. Alors. Vous avez assez pour le soucis? Voilà, SP83, donc ça marche mal. Ok. Tu vas pas le retirer doucement, sinon ça va. Si, tu le tiens comme ça. Tiens, comme ça. Et okay. Voilà, tu vois, c'est pas. Merci. Les gobelets sont là. Merci. Et les pailles sont là. Ok. Dedans. Super. Donc, commande 83, si vous voulez commander. Les pailles, c'est où?
je trouve pas. Vous faites partie Oui, je suis en stage, ouais. Ah, ok. Merci. Voilà pour vous. Quand tu as fini, tu appuies dessus et tu lui mets le ticket dessus. Bonjour. 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 Bonjour, oui. Monsieur. Oui. Bah, j'ai reçu un mail, bah, du coup, je suis venu. Ah, je pense qu'il y a... Oui, je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas ce que vous faites là. Bah, j'ai reçu le premier mail. Oui. Ah, non, on va se mettre sur le ouais. Mais non, on les a mis. J'ai reçu le premier mail. Moi, je m'appelle Victor. Enfin, j'ai reçu le premier mail comme quoi je devais venir vers 15h15. Quoi. Vous venez de... enfin, c'est quoi, dans le cadre d'une école? Non, le cadre, bah, c'est j'ai fait ma première essai à Nancy, on m'a donné la tenue. Après, on m'a dit qu'on allait être recontacté pour ma première journée de stage. Quoi. Ouais, j'ai preuve. Non, mais là, on m'a dit de venir. Sur votre premier entretien embauche, c'était avec qui vous avez vu ça? C'était avec monsieur, bah, monsieur Julien. Bah, je un directeur. Savoir, c'est pas. Enfin, c'est pas mon mail, je sais pas c'est quoi. Bah, je sais pas, j'ai reçu ce mail. Est-ce que la tenue, vous l'avez eu? Bah, je l'ai reçu à Nancy. Moi, je l'ai eu à Nancy. Premier entretien, j'ai parlé. Nancy, le McDo de centre-ville. Eh donc c'est pas avec moi, c'est avec le McDo de Nancy, je pense qu'il énerve. Ah. C'est avec le centre-ville de Nancy. Je suis là-bas alors je suis pas ici. Ah vous êtes là-bas, vous êtes pas ici. Hein. Je sais pas. Non, ça c'est un coup de fil. Votre prénom c'est Victor ou c'est votre nom de famille? Non, moi mon prénom c'est... Attendez, parce que j'ai le nom et prénom par rapport au mail que j'ai envoyé, c'est ça? Oui, mon prénom, votre nom de famille c'est comment? Votre nom à vous? Fazer. F-A-Z-E-R. C'est Victor Fazer? Ouais, c'est ça. Et moi j'ai reçu le mail de monsieur Julien. C'est pas un poisson d'avril? Non, j'ai la tenue tout, mais j'étais là, j'étais prêt à travailler quoi. Oui bon, est-ce que je pourrais parler au directeur s'il vous plaît? Parce que je suis directeur du McDo. Et j'ai un souci, j'ai quelqu'un qui s'est présenté dans mon restaurant en étant persuadé qu'il travaillait chez moi, mais je pense qu'il travaille chez vous en fait. Je sais pas si ça vous parle. Un jeune homme qui s'appelle Victor, un stagiaire. C'est pour un stage, c'est ça? Oui. 4.4. Enfin, il a reçu un contenu et puis il était prêt à travailler, mais je sais pas, il a reçu un mail de l'espace de Versailles, donc il a commencé à travailler. De travailler ici. Je pourrais pas terminer la journée ici? Ah non, mais je sais pas d'où sort. Moi, je ne peux pas que tu travailles ici, parce que si t'arrives n'importe quoi, légalement, je suis pas assuré. Ah oui, non, mais techniquement parlant, tu n'es pas ici, donc ça, c'est sûr. Du coup, je suis venu pour rien, quoi. T'as rencontré qui à Nancy Centre? Monsieur Julien. Monsieur Julien, que j'ai rencontré à Nancy Centre, j'ai passé l'entretien, je l'ai réussi, on m'a donné la tenue, on m'a dit voilà, on vous recontacte les prochains jours par mail, et j'ai reçu ce mail ce matin qui me disait de venir à 15h15. Et j'étais prêt à l'heure. L'entretien, il s'est fait à Nancy. Nancy, ouais. Parce que j'ai une feuille aussi dans ma voiture. Une feuille avec marqué l'adhésion, etc. Je sais pas si ça change quelque chose. Je vais te le passer. D'accord? C'est le directeur de Nancy Centre. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur, je suis Victor Faisel à l'appareil. Oui, je vous appelle parce qu'en fait, j'ai eu un premier entretien à Nancy et j'ai reçu un mail aujourd'hui du monsieur Julien qui m'a dit de venir donc au restaurant de 15h15 et du coup, je me suis présenté, mais là, on me dit que c'est pas ici. C'est pour ça que je suis assez confus. En fait, l'adresse n'était pas Julien, c'était Julien McDo Pro. MCDO Pro. Julien MCDO Pro. Bah, j'ai rencontré un certain Julien, je sais pas. Oui, à Nancy Centre. Oui. Ah non, c'est ça qui est là. Bah, je sais pas. Bah, j'ai eu ce monsieur pourtant en entretien. Et là, j'ai reçu le mail, c'est pour ça que je comprends pas, parce qu'on me dit que je suis pas ici. Ah, faut que leur dire que t'as eu des tenues. Oui, sûr, oui. FCDO, oui. Au revoir. Parce que du coup, là, bah, du coup, le directeur d'ici me dit que bah, je dois arrêter ma tournée, quoi. Je dois rentrer chez moi et soit venir à Nancy Centre ou soit rentrer directement. Parce que j'ai un numéro à la maison qu'on m'avait dit de joindre au cas où si justement il y avait un problème par rapport à ça, mais là, le numéro, je l'ai pas sur moi. Je l'ai pas sur moi, justement, le numéro. J'ai mon téléphone, mais le numéro, il est chez moi. Moi, je l'ai pas. Comment? D'accord. Ok. Bon bah je vous remercie. D'accord.
Au revoir. Elle a dit que... Il a dit que je devais rentrer, enfin je sais pas. Mais il m'a dit qu'il me, il me connaissait, il m'avait eu en entretien, mais il m'a dit qu'il me, il m'avait dit de, bah, d'arrêter le service ici, quoi. Juste une question, vous connaissez deux personnes qui sont dans la salle derrière ? Allez-y, madame. Non. Ok, je vous laisse, bah, repartir. Non. Bah, je vous rencontre. Enfin, je sais pas si je reviendrai ici, je pense pas, vu que c'était à Nancy, mais. C'est sûr que non, c'est pas avec moi que vous avez eu un entretien, mais d'accord. Je sais pas ce qui se passe. D'accord. Bon bah merci, bonne journée, bah, du coup je vais rentrer, bah, voilà. Je vais appeler le numéro qu'on m'a donné, je vais voir directement. Bah, bonne journée. Au revoir. On se retrouve après la vidéo, voilà, je vous avoue que c'était vraiment vraiment difficile pour cet épisode au McDo, mais voilà, en tout cas, si la série vous plaît les gars, n'hésitez pas à bombarder la barre des likes et à me dire dans les commentaires vos idées, vous aimeriez bien que je fasse passer pour quel employé, dans quel restaurant ou dans quelle enseigne, voilà, un gros truc pour l'épisode 2, mais voilà, le McDo c'était assez difficile, parce que déjà, on n'a pas accès à la cuisine, donc c'est renfermé, on voit pas avec la caméra, et même pour filmer un McDo c'est restreint, donc c'est chaud pour pas voir la caméra, c'est pour ça que je me suis fait caler 2-3 fois, mais voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, partagez-le avec vos potes les gars, si vous kiffez la série, comme ça je vous referai plein d'épisodes, mettez-moi dans les commentaires quelle enseigne vous aimeriez bien que je fasse, et surtout abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait vraiment vraiment plaisir pour qu'on atteigne les 100 000 le plus vite possible. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'avoue que je me suis fait choper rapidement, mais le McDo c'était chaud les gars, c'était vraiment chaud, je me suis attaqué à un gros poisson quoi, on peut le dire. Mais voilà, en tout cas, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Dites-moi dans les commentaires les idées que vous aimeriez bien voir sur cette série, et on se retrouve bientôt. Ciao.